Father, we give you praise, we give you glory. Thank Père, you for this hour. Thank you for your grace upon us. Thank you for this for your presence in our midst this morning. Merci pour ta présence au milieu de nous. We bless your name, O Lord. Nous bénissons ton nom, ô Seigneur. We bless your congregation. Nous bénissons ta congrégation. Now I commit myself into your hands, Lord. Maintenant, je me recommande entre tes mains, Seigneur. Dear Holy Ghost, que ton Saint-Esprit lead me, Lord, me frappe and glorify Jesus in et glorifie Jésus-Christ. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Good morning, church. Bonjour, Église. Good morning, church. Bonjour, Église. Is there any shout of joy in this house this morning? Est-ce qu'il y a un cri de joie aujourd'hui? Give the Lord a shout. Donne un cri de joie au Seigneur. Give the Lord a shout. Crie au Seigneur. Give the Lord a clap of glory. Acclame glorieusement pour le Seigneur. Oh, on the choir side, I think the choir is so sad today. Du côté de la chorale, c'est comme s'ils sont tristes. I say, let's give the Lord a shout. J'ai dit, criez pour le Seigneur. Hallelujah. Amen. 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 Yeah, it's a great joy to be in the presence of alors, the Lord. Alors, c'est une grande joie d'être dans la présence de Dieu. Yeah, you know the Bible says. Oui, vous savez, la parole de Dieu dit. There is fullness of joy in the presence of God. Il y a abondance, abondante joie dans la présence de Dieu. Fullness of joy. Abondance. Plenty of joy. Plénitude de joie. Hallelujah. Amen. Let's go to the Word of God. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Psalms chapter 60. Au psaume au chapitre 16. The last verse. Les derniers versets. The reason why I said the last verse. La raison pour laquelle j'ai dit les derniers versets. Is because in the English versions. C'est parce que dans la version anglaise. The last verse is verse 12. Les derniers versets, c'est les versets 12. But in the French versions, it's verse 14. Mais plutôt dans la version française, c'est verset 14. By the way, the verse is right there in front of us. Au fait, les versets là devant nous. Psalms 60 verse. Psaume 60 verset 14. Yeah, in the English version, like I said, is verse 12. For the English, the English speakers who follow us online. Alors, psaume 74. I read from the New Living Translation. Je lis ça de la version New Living Translation. May I ask you to stand up for the reading of the word? Est-ce que je peux vous demander de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu? New Living Translation says. NLT traduction. With God's help, we will do mighty things, for He will trample down our foes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Daniel chapter 11. Daniel au chapitre 11. Verse 32. Au verset 32. Our focus will be on part B of this verse. Notre focus sera sur la partie B de ce verset. Daniel 11, 32b. Yeah, go ahead in French. Nous lisons Daniel 11. De verset 32b. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Amen. I like this in the New King James version. J'aime cela dans la version New King James. So you will translate, okay? Oui. But the people who know their God shall be strong. Mais le peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts. And carry out great exploits. Et ils vont accomplir de très grands exploits. Hallelujah. Amen. I repeat. Je répète. But the people who know their God. Mais les peuples qui connaîtront leur Dieu. Shall be strong. Seront forts. And will carry out great exploits. Et vont accomplir de très grands exploits. Hallelujah. Amen. Please be seated. Asseyez-vous s'il vous plaît. And God bless you. Que Dieu vous bénisse. This version says, cette version dit, those who know their God, ceux qui connaîtront leur Dieu, shall carry out great exploits, accompliront de très grands exploits, they shall be strong, ils seront fermes, ils seront forts,
Who are these people who will do great exploits? Qui sont ces peuples qui feront des grands exploits? It's those who know their God. C'est ceux qui connaissent leur Dieu. Hallelujah. Amen. As they know their God, tant qu'ils connaissent leur Dieu, there is strength which is derived from the knowledge of their God. Il y a de la force qui dérive de cette connaissance de Dieu. Now, because they are made strong, alors puisqu'ils sont fortifiés, they will be able to carry out great exploits. Ils seront capables d'accomplir de grands exploits. Hallelujah. Amen. My message today. Mon message aujourd'hui. The main requirement for doing great exploits. Les grands préalables pour accomplir des grands exploits. The main requirement plus grand for doing exploits. Pour accomplir des exploits. Hallelujah. Amen. Now we are talking about doing exploits with God. Nous parlons d'accomplir des exploits avec Dieu. We are not talking about doing exploits in the flesh. Nous ne parlons pas d'accomplir des exploits dans la chair. Not doing exploits from the world point of view. Non. Pas accomplir des exploits suivant les points de vue du monde. But carrying out exploits with God. Et plutôt accomplir des grands exploits avec Dieu. With God, avec Dieu, we will carry out exploits. Nous accomplirons des exploits. And He will trample down our enemies. Et il écrasera nos ennemis. Hallelujah. Amen. What is an exploit? Qu'est-ce que c'est un exploit? My sister. My sir. What's your name? Quel est votre nom? Say again. Priscille. Priscille. Let me call you Prisca. Let me vous appeler Prisca. My sister Prisca. Ma sœur Prisca. Are you able to lift up this chair? Est-ce que es-tu capable de soulever cette chaise? Are you able? Est-ce que tu es capable? Ah, oui. So. She is able to lift this chair, right? Elle est capable de soulever cette chaise, n'est-ce pas? Is that an exploit? Est-ce que c'est un exploit? It's not. No. But when a baby of 2 or 3 years old, mais lorsqu'un bébé de 2 à 3 ans, if he can able to if he is able to handle and lift this chair, et s'il est capable de soulever cette chaise, is it an ordinary act? Est-ce que c'est un acte ordinaire? It becomes an exploit for him. Ça devient un exploit pour lui. Hallelujah. Amen. It's a mighty thing for the baby. C'est une chose puissante pour le bébé. It becomes an extraordinary act. Parce qu'il a fait une action extraordinaire. So by definition, an exploit is a heroic act of achievement. Alors par définition, un exploit c'est un accomplissement héroïque. It's an impressively great act. C'est un acte impressionnant. Hallelujah. Amen. So exploits are not ordinary acts. Alors les exploits ne sont pas des actes ordinaires. That's why King David declares in the Psalm 60. Voilà pourquoi le roi David a déclaré dans le Psaume 60. With God. Avec Dieu. We shall do exploits. Nous ferons des exploits. With God. Avec Dieu. Hallelujah. Amen. The passage of Daniel 11, les passages de Daniel chapitre 11, gives us an insight, nous donne un aperçu, on what it takes to command exploits for God and with God. C'est que demander les prérequis pour demander exiger des exploits de Dieu. Hallelujah. Amen. Now this main requirement is knowing God. Alors les préalables de cet homme c'est connaître Dieu. The people who know their God, le peuple qui connaissent leur Dieu, they shall be strong, ils seront forts, and shall do exploits, et ils accompliront des exploits. Now let me tell you, alors laisse-moi te dire, it is not enough to know about God, ce n'est pas suffisant de connaître au sujet de Dieu. Most of us know about something about God. La plupart d'entre nous connaissons quelque chose au sujet de Dieu. Do you know that the devil knows much about God? Est-ce que vous savez que le diable connaît beaucoup de choses au sujet de Dieu? Demons know much about God. Les démons connaissent beaucoup de choses au sujet de Dieu.
So it's not enough to know about God's name. Alors ce n'est pas suffisant de connaître au sujet du nom, des noms de Dieu. Not sufficient to know about God's attributes. Ce n'est pas suffisant de connaître au sujet des attributs de Dieu. While all of these are very important. Oui, bien que toutes ces choses soient très importantes. But it is crucial to go deep in the knowledge of God. Mais c'est crucial d'aller beaucoup plus profond. So dans la connaissance de Dieu. So the first step is knowing God. Alors la première étape, c'est de connaître Dieu. And if you want to do exploit with God and for God, the first step will be knowing God alors, deeply. Si vous voulez accomplir des exploits avec Dieu, la première étape, c'est de connaître Dieu. When the Lord Jesus was praying in John chapter 17 verse 3, je me souviens quand Jésus est en train de prier dans Jean 17 verset 3. He says, il a dit, and the life eternal is that they know you, the only and true God. Et la vie éternelle, c'est qu'ils puissent te connaître, toi, le seul et vrai Dieu. And Jesus Christ, whom you have sent. Et Jésus Christ que tu as envoyé. Hallelujah. Amen. We can only know God through Jesus Christ. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'au travers de Jésus-Christ. As we receive Jesus in our lives, et comme nous recevons Jésus-Christ dans notre as vie, we accept Jesus in our lives, comme nous acceptons Jésus-Christ dans notre as vie, as Lord and personal Savior of our lives, comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie, we are saved. Nous sommes sauvés. So salvation is the first step in knowing God. Alors là, le salut, c'est la première étape pour connaître Dieu. Alléluia. Amen. Many have come to know Jesus Christ receiving his salvation. C'est important de connaître Christ en recevant le salut. Many have come to Jesus. Nombreux sont venus à Jésus-Christ. They answer the altar call. Ils ont répondu à l'appel. They received Jesus in their lives. Ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. But they didn't go deeper. Mais ils ne sont pas allés plus profondément. They stopped themselves at the first step of receiving Jesus. Ils se sont arrêtés à la première étape de recevoir Jésus-Christ. They cannot do exploits. Ils ne peuvent pas accomplir des exploits. But we must go deeper. Et nous devons aller beaucoup plus en profondeur. In the knowledge of God. Dans la connaissance de Dieu. That means having a deep experience with God. Cela voudrait dire avoir une expérience profonde de Dieu. Do you know that most of the names the Lord has revealed about himself? Est-ce que vous savez que la majeure partie de noms que Dieu a révélé à son sujet are due to the experience those people have had with the Lord? Sont dues aux expériences que ces gens ont eues avec Dieu. Abraham is a great example. Abraham est un très grand exemple. Genesis chapter 22. Genèse au chapitre 22. Verse 14. Au verset 14. We find the name Jehovah Jireh. Nous trouvons le nom de Jéhovah Jireh. So God, Elohim, the creator of the universe, is introduced to us as Jehovah Jireh. Alors Dieu, Elohim, le créateur de l'univers, se présente lui-même là-bas comme Jéhovah Jireh. Abraham has had an experience, a eu une expérience of the Almighty God, du Dieu Tout-Puissant, as being the provider for him, comme étant le pourvoyeur pour lui. So in addition to being saved, alors en addition du fait qu'il a été sauvé, we need to get to the point of relying on God as the provider. Nous avons besoin d'arriver au niveau où nous dépendons de Dieu comme pourvoyeur. So, when we know God as a provider, quand nous connaissons Dieu comme un pourvoyeur, we have an experience with God as a provider. Nous avons une expérience avec Dieu comme un pourvoyeur. When a crisis will arise, quand la crise arrivera, we will not be shaken. Nous ne serons pas secoués. We will not be afraid. Nous n'aurons pas peur. We won't be intimidated. Nous ne serons pas intimidés. Because we have an experience we can refer to. Parce que nous avons eu une expérience. Hallelujah. Amen. May you have a deeper experience with God in your puisses-tu life. Puisses-tu avoir une expérience profonde avec Dieu dans ta vie. Hallelujah. Amen. Now the outcome is. Alors le résultat est. As we know God deeply, comme nous connaissons Dieu de manière profonde, we shall be strong. Nous serons forts. Alléluia. Fort. Amen. We shall be strong. Nous serons forts. Look at David. Regardez à David. David was a shepherd. David était un berger. In the bush,
He was dans la brousse. He was able to contend with lion and a bear. Il était capable de pouvoir se battre contre des lions et des ours. He did an exploit in the bush. Il a fait des exploits dans la brousse. When the lion came to capture one of the sheep, lorsque le lion est venu pour capturer un des brebis, David was able to fight. Il était capable de se battre. He was able to save his sheep. Il était capable de sauver sa brebis. So he has an experience of God as the Lord of hosts, Jehovah Sabaoth. Il a eu une expérience avec Dieu comme étant l'Éternel des armées, Jehovah Sabaoth. That God is able to save him even from the foes of the bush, like lions and bears. Que Dieu était capable de le sauver même des tous des animaux dangereux de la brousse, comme les lions et les ours. Now, based on this experience, basé sur ces expériences, when he was sent by his father Jesse to go and see and bring some food to his brothers on the battleground, lorsqu'il était envoyé par son père Jesse pour amener la nourriture à ses frères qui étaient sur le champ des batailles, that day he saw a giant. Ce jour-là, il a vu un géant by name Goliath, qui s'appelait Goliath. He challenged the people of God. Il défiait les peuples de Dieu. He insulted the people of God. Il insultait les peuples de Dieu. And even insulted the God of Israel. Et il insultait même le Dieu d'Israël. Now look at this young boy David. Alors regardez à ce jeune homme David. Who has an experience with God as Jehovah Sabaoth. Qui a une expérience avec Dieu comme Jehovah Sabaoth. He realized. Il a réalisé. Who is this uncircumcised guy? Qui est cet homme incirconcis? Who can challenge the people of God? Qui peut défier les peuples de Dieu? Who can insult the people of God? Qui peut insulter les peuples de Dieu? I'm gonna fight against him. Je vais le combattre. His reference is his experience he had with God in the bush. Sa référence est l'expérience qu'il a eue avec Dieu dans la brousse. The same way the Lord has been able to save him from the lion. De la même manière que Dieu était capable de le sauver du lion. So he was convinced in his heart. Alors il était convaincu dans son cœur. That the same God. Que le même Dieu. Is able to save me from these giants. Est capable de le sauver de ces géants. And I'm able to kill this giant. Est capable de tuer ces géants. Hallelujah. Amen. Based on his experience. C'était basé sur son expérience with God. Avec Dieu. He knew his God. Il connaît son Dieu. So, the God of Abraham, Isaac and Jacob was also his own God. Alors le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était aussi son propre Dieu. So based on that experience. Alors basé sur cette expérience. He was able to contend with Goliath. Il était capable d'affronter Goliath. And carry out exploits. Et d'accomplir un exploit. That was an exploit. Là, c'était un exploit. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. With God. Avec Dieu. I shall do exploits. Je ferai des exploits. It's not only about David. Et ce n'est pas seulement au sujet de David. Now it's about me. Mais non, c'est à mon sujet, à moi. Because the same God is at work in my life. Parce que le même Dieu travaille aussi en moi. There is power in my life. Il y a de la puissance dans ma vie. Hallelujah. Amen. So, as you rely on your relationship with God, oui, tant que tu dépends de ta relation avec Dieu, and your deep experience with God, et ta relation profonde avec Dieu, you will be strong. Tu seras fort. Hallelujah. Amen. And I like the passage we read. Et j'aime les passages que nous avons lus. In Ephesians chapter 4. Ephésiens chapitre 4. The Bible says. La Bible dit. As we excel in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Et comme nous excédons dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. We shall be mature. Nous deviendrons matures. And strength comes with maturity. Et la force vient avec la maturité. Hallelujah. Amen. As we grow strong. Comme nous nous rendons forts. We can challenge. Nous pouvons défier circumstances of life. Les circonstances de la vie. Based on our experience with God. Basé avec sur notre expérience avec Dieu. Hallelujah. Amen. Learn where you can find strength, my brother and sister. Voilà le moyen par lequel tu peux trouver la force, mon frère, ma sœur. It's in your knowledge of Him. C'est dans ta connaissance de Lui. God Almighty. Le Dieu Tout-Puissant. Shadrach, Meshach, and Abednego were so courageous.
Shadrach, Meshach, Abednego étaient si courageux. I would say they were audacious. Je veux dire qu'ils étaient très audacieux. They could challenge the king Nebuchadnezzar. Ils ont pu défier le roi Nebuchadnezzar. They told the king Nebuchadnezzar. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar. Oh king. Oh roi. We won't bow before your idol. Nous n'allons pas nous prosterner devant tes idoles. We worship the God of Israel. Nous adorons le Dieu d'Israël. And we are sure that the God of Israel, whom we praise and adore and serve. Et nous sommes sûrs que le Dieu d'Israël que nous louons, adorons et servons, will be able to save us from your hands. Sera capable de nous sauver de ta main. And even if it happens that he doesn't, et même s'il se faisait qu'il ne le fait pas, we won't bow before your idol. Nous ne nous prosternerons pas devant ton idole. Hallelujah. Amen. What did they derive this strength? D'où est-ce qu'ils ont tiré cette force? From their experience with God. C'est de leur expérience avec Dieu. Now, let me ask you the question. Alors, laissez-moi maintenant vous poser une question. This question. Ces questions. What experience do you have with your God since you got saved? Quelles sont les expériences que vous avez eues avec Dieu depuis que vous êtes sauvé? Can you refer to an experience in your life? Peux-tu te référer à une expérience dans ta vie? That would serve you as a reference to challenge new circumstances. Qui te servira de référence pour que tu puisses défier les nouvelles circonstances. You need to have strong and valid reasons to believe what you believe in God. Tu dois avoir des raisons fortes et valides de croire en ce en quoi tu crois en Dieu. Yes. These three young men. Ces trois jeunes gens. Then when they were thrown in a furnace. By the king Nebuchadnezzar. Quand ils étaient jetés dans la fournaise. They were so confident. Ils étaient si confiants. They were so confident. Ils étaient si confiants. They were not intimidated. Ils n'étaient pas intimidés. They were not afraid. Ils n'avaient pas peur. They had confidence in God. Ils avaient de la confiance en eux. Where did that confidence come from? Cette confiance venait d'où? That boldness, where did it come from? Ces ailes, d'où est-ce qu'ils venaient? Their relationship with God. Leur relation avec Dieu. Their experience with God. Leur expérience avec Dieu. Go deeper, my brother and sister. Va beaucoup plus profond, profondeur, mon frère, ma sœur. Go deeper with God. Va beaucoup plus en profondeur. God is waiting for you for a deeper relationship with Dieu t'attend pour une relation plus profonde. Because exploits are waiting for you. Parce que les exploits t'attendent. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Tous ceux là qui s'attendront au Seigneur renouvelleront leur force. This is Isaiah 40 verse 31. Ça c'est l'Isaïe 40. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Tous ceux là qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. They shall soar wings like eagles. Ils ouvriront leurs ailes comme des aigles. They will not grow weak or faint at all. Ils ne se fatigueront pas. Because of the strength from the Lord. À cause de la force du Seigneur. Hallelujah. Amen. So knowing God will make you strong, my brother. Alors connaître Dieu te rendra fort, mon frère. Knowing God will make you strong, my sister. Connaître Dieu te rendra fort, ma sœur. The more you know him, beaucoup plus tu le connais, the stronger you shall be. De plus fort tu deviens. You shall be strong before new crisis. Tu seras fort devant les nouvelles crises. You will be strong before the circumstances of life. Tu seras fort devant les circonstances de la vie. You will be strong before various challenges. Tu seras fort devant divers défis. So our knowledge of God will be the foundation of our confidence in. Alors notre connaissance de Dieu sera la fondation de notre confiance en Dieu. Hallelujah. Amen. Where did Elijah get the boldness of challenging Jezebel and the prophets of Baal? D'où est-ce que Élie a trouvé ce courage, ces ailes de défier Jézabel devant les prophètes de Baal? Relationship with God. Sa relation avec Dieu. Deeper experience with God. Des relations
profonde avec Dieu, des expériences profondes. Amen. Remember what the Bible says. Souviens-toi de ce que la Bible dit. They that know their God. Ceux qui connaissent leur Dieu, yes. Qui connaîtront leur Dieu. They that know now, present, know their God. Ceux qui connaissent leur Dieu au présent. Yes. Their God. Leur Dieu. Now you better know your God. Alors c'est mieux pour toi de connaître ton Dieu. Your God. Ton Dieu. It's good to call upon God of Abraham, Isaac and Jacob. C'est bon de faire appel au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. It's good to call upon God of Bishop so and so. C'est très bon de faire appel au Dieu du bishop ceci ou cela. But is he your God? Mais est-ce ton Dieu? Is he your God? Mais est-ce qu'il est aussi ton Dieu? Build your own experience with that God. Construis ta propre expérience avec ce Dieu. He may be the God of your bishop. Il peut être le Dieu de ton bishop. But he has to be your God. Mais il doit aussi être ton Dieu. Hallelujah. Amen. Jesus, I know. Paul, I know. Jésus, je le connais. Paul, je connais. But who are you? Mais toi, qui es-tu? The son of Sceva, le fils de Sceva. Yeah, they saw a disciples doing exploits. Ils ont vu des disciples accomplir des exploits. Their father was a priest. Leur père était des prêtres. Yeah, their father Sceva was a priest. Oui, le père Sceva était un prêtre. They saw disciples casting out demons. Ils ont vu des disciples accomplir, chasser des esprits mauvais, des démons. Then they came. Et ils sont venus. In the name of that Jesus whom Paul speaks about. Alors, au nom de ce Jésus dont Paul parle. Get out! Sors! The demons turned around. Et les démons se sont tournés. And asked, oh. Et ont posé la question. Oh. We know Jesus. Nous connaissons Jésus. We know Paul. Nous connaissons Paul. But who are you? Mais toi qui es-tu? Do you know what happens? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? The demons tore their clothes. Les démons ont déchiré leurs habits. And the seven sons of Sceva ran away naked. Et les sept fils de Sceva se sont enfuis. Beaten. Frappés. Bon, battus plutôt. Naked. Jusqu'au point de mort. It's very important to build a deep relationship with God. C'est très important de construire une relation profonde avec Dieu. So the deeper we know God, alors le plus profond nous connaissons Dieu, the stronger we are. Le plus fort nous devenons. And as we know God, et comme nous connaissons Dieu, we become strong. Nous devenons forts. In the spiritual world, dans le monde spirituel, we will be known as strong people. Nous serons connus comme des gens forts. Even as you pass by, et même lorsque nous passons, the devil, les diables, the demons, les démons, will know that you are strong. Ils sauront que tu es fort. They will decipher your relationship with God. Ils vont déchiffrer ta relation avec Dieu. Now, it's not enough to know about God. Ce n'est pas suffisant de connaître au sujet de Dieu. Know God deeply for yourself. Connais Dieu en profondeur pour toi-même. Hallelujah. Amen. It's God's will to reveal himself to you in a personal, peculiar way. C'est la volonté de Dieu de se révéler à toi de manière personnelle et particulière. And he wants you to build a stronger experience. Et nous voudrions que vous puissiez construire une relation forte, une expérience forte. I say again and again. Je le dis encore et encore. Exploits are waiting for you. Les exploits t'attendent. But you need to be strong. Mais tu dois être fort. And your strength will come from your relationship with God. Et ta force viendra de ta relation avec Dieu. And you shall not be intimidated at all. Et tu ne seras pas intimidé par quoi que ce soit. Hallelujah. Amen. Look at what David says in Psalms 27. Écoutez ce que David dit dans le psaume 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? The Lord is the strength of my life. L'Éternel est la force de ma vie. Of whom shall I be afraid? De qui aurais-je crainte? Now listen.
Écoutez, when the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and failed. Lorsque mes ennemis viennent pour dévorer ma chair, mes ennemis tombent et trébuchent. Now verse 3 turns me upside down. Alors le verset 3 m'a renversé, m'a tourné sens dessus dessous. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. An army, une armée. He's not talking about two soldiers. Il ne parle pas de deux soldats. Or three or four. Ou plutôt de trois ou quatre. A whole army coming to encamp against him, David. Toute une armée qui vient camper contre lui, David. Oh, he's so bold, David. Il est si courageux, David. Why? Pourquoi? His deep relationship with God. Sa relation profonde avec Dieu. Hallelujah. Amen. Now, before I close. Alors, avant que je ne puisse clôturer. Let me emphasize that God has made himself available. Laissez-moi mettre encore un accent sur le fait que Dieu s'est rendu lui-même disponible through his word. À travers de sa parole. The Bible says in Jeremiah 29 verse 13. La Bible dit dans Jérémie 29 au verset 13. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Hallelujah. Amen. Where do we look for God? Où est-ce que nous allons chercher Dieu? In his word. Dans sa parole. Hallelujah. Amen. Not in the valleys or up the mountains, but in his word. Pas dans des vallées ou au-dessus des montagnes, dans sa parole. Even though you can go deeper into the valley, but you need to be relying on his own word. Même si tu allais très en profondeur dans une vallée, tu auras toujours besoin de dépendre de sa parole. The fact of mounting up the mount or the mountain or going down into the valley is not enough without the word of God. Le fait d'aller très haut au-dessus des montagnes ou beaucoup plus en profondeur dans des vallées n'est pas suffisant. On a encore besoin de la parole. So the word of God, my brothers and sisters. Alors la parole de Dieu, frères et sœurs, describes the modus operandi of the kingdom of God. Décrit le mode d'opération du royaume de Dieu. Now, if we want to know God deeply and get his mind and alors, be strong. Si tu as besoin de connaître Dieu en profondeur, l'avoir en pensée et devenir fort. Find what he said about himself. Trouve ce qu'il dit au sujet de lui-même. And what it takes to get what he says he can do. Et chercher à comprendre ce qui est demandé à être accompli pour avoir ce qu'il dit que tu peux avoir. Alléluia. Say it again. Et ce qui est demandé d'être accompli pour avoir ce qu'il dit que tu peux avoir. One more time. Ce qui est demandé d'être accompli pour avoir ce qu'il dit que tu peux avoir. This is very important. Et là, c'est très important. I need you to grasp that. J'aimerais que vous compreniez cela. If we want to know God deeply and get his mind, si tu veux comprendre, connaître Dieu en profondeur et saisir sa pensée, and be strong, et être fort, to be able to do exploits, pour être capable d'accomplir des exploits, you need to find what he said himself. Tu dois découvrir ce qu'il dit lui-même about himself. Au sujet de lui-même. And about what it takes to get what he says he can do. Et au sujet de ce qu'il dit, qui est requis pour avoir ce qu'il dit. Now, based on what we found in the scripture. Alors, basé sur ce que nous trouvons dans les Écritures. And especially the testimony God renders about himself. Et surtout les témoignages que Dieu a dit au sujet de lui-même. We can build our confidence. Nous pouvons construire notre confiance. We can build our faith. Nous pouvons bâtir notre foi. And the Bible says, et la Bible dit, we live by faith and not by sight. Nous vivons par la foi et non pas par la vue. And the Bible says, et la Bible dit, the just shall live by faith. Le juste vivra par la foi.
This is repeated four times in the Bible. Et ça, c'est répété quatre fois dans la Bible. The just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. But what faith? Mais quelle foi? Somebody asked me. Quelqu'un m'a posé la question. Pastor, what is that verse that says, "Aide-toi, le ciel t'aidera"? C'est quel verset qui dit, "Aide-toi et le ciel t'aidera"? Is it in your Bible? Je lui ai posé, est-ce que c'est dans votre Bible? Aide-toi. Aide-toi. Le ciel t'aidera. Help yourself and God will do the same. It's not in your Bible. Ce n'est pas dans ta Bible. It's a saying of man. Ce sont des paroles des hommes. Whatever men say and which doesn't not link to the word of God is a lie. Tout ce que les hommes disent et qui ne sont pas liés à la parole de Dieu sont un mensonge. Why? Because it's sinking sand. Parce qu'il s'agit d'une terre mouvante. Du sable mouvant. Du sable mouvant. If you rely on what men say. Si vous basez sur ce que les hommes disent. And which has no relationship with the word of God. Et qui n'a aucune relation avec la parole de Dieu. As the foundation. Comme fondation. It's sinking sand. C'est un sable mouvant. You might collapse. Tu pourrais collapse. Tu pourrais tomber. Because it's like that house which is founded on sinking sand. C'est comme cette maison qui a été bâtie sur le sable mouvant. But on God's word, the solid rock we stand. Mais sur la parole de Dieu, c'est le solide qui tiendra. As you meditate on the word of God, et comme tu médites sur la parole de Dieu, you find principles of God. Tu trouves des principes de Dieu. That can found your belief system. Qui peuvent donner une fondation à ton système de croyance. You will grow strong in your prayer. Tu te fortifieras dans ta prière. Because as we pray, you will base your prayer on what said about himself and what he said he can do. Parce que en priant, tu te baseras en ce qu'il dit et en ce qu'il dit que tu peux faire. Alléluia. Amen. So, in whatever you do, whatever you undertake, et dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, rely on the integrity of the word of God. Base-toi sur l'intégrité de la parole. Because God will try to find his word and achieve it in your lives. Parce que Dieu trouvera sa parole et cherchera à l'accomplir dans ta vie. Your faith will be based on the word of God in order to operate properly. Ta foi a besoin d'être basée sur la parole de Dieu afin de pouvoir opérer normalement. James says in chapter 4, verse 3, Jacques dit au chapitre 4, verset 3, he says, you pray, you ask, and you do not receive anything because you pray amiss. Vous priez et vous ne recevez rien parce que vous priez mal. Yes, you pray amiss, you miss the target. Vous priez mal et vous ratez l'objectif. Is your prayer surrounded in the atmosphere of the word of God? Est-ce que ta prière est entourée dans l'atmosphère de la parole de Dieu? God is able. Dieu est capable. This is what he says in his word. C'est ce qu'il dit dans sa parole. To him who is able. À lui qui est capable. To do exceedingly abundantly above what we ask or think about. D'accomplir excédemment au-dessus de ce que nous demandons. The verse is right there. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. God is able. Dieu est capable. To do what he promises. À faire ce qu'il promet. Now, as you find the promise in the word of God. Et comme tu trouves des promesses dans la parole de Dieu. As you find the principle, which is part of the modus operandi of God,
in his kingdom. Et quand tu vois ces principes qui font partie du mode opératoire de Dieu dans son royaume, you will pray accordingly. Tu prieras suivant cela. And the Bible says God is faithful. Et la Bible dit que Dieu est fidèle. He is faithful. Il est fidèle. What can give me a guarantee that if I go to ask forgiveness from God, I will receive it? Qu'est-ce qui me donne la garantie que si je veux demander pardon à Dieu, je vais le recevoir? Because he said it. Parce qu'il l'a dit. And he is faithful. Et il est fidèle. If we confess our sins, the Bible et si says, nous confessons nos péchés, la Bible dit, he is faithful. Il est fidèle. And just. Et juste. To forgive us. Pour nous pardonner. And purify us from all sins. Et nous purifier de toute iniquité. It is his word. C'est sa parole. So as I go into the presence of God, alors, I take his word. Je grandis dans, quand je vais dans la présence de Dieu, j'emmène sa parole. That's what I base my faith on. Et c'est sur ça que je base ma foi. Alléluia. Amen. They that know their God, ceux qui connaissent leur Dieu, shall be strong. Seront forts. Strong in your spiritual life. Fort dans ta vie spirituelle. Strong in your prayer life. Fort dans ta vie des prières. Strong in your testimony. Fort dans ton témoignage. Strong in your fight against evil. Fort dans ton combat contre le mal. Strong in your fight against the kingdom of darkness. Fort dans ton combat contre le royaume des ténèbres. And you shall do exploits. Et tu accompliras des exploits. May you live a life of exploit in Jesus' name. Puisses-tu vivre une vie d'exploit au nom de Jésus. May you develop a deeper knowledge of God. Puisses-tu développer une connaissance profonde de May Dieu. May you be strong in the name of Jesus. Puisses-tu être fort au nom de Jésus-Christ. And do exploits. Et accomplir des exploits. By his name. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Béni soit le Seigneur. Let's pray. Prions. Let's stand on our feet to pray. Levons-nous sur nos pieds pour prier. What do you believe God is for you? Qu'est-ce que tu crois que Dieu est pour toi? What do you believe God is able to do for you? Qu'est-ce que tu crois que Dieu est capable d'accomplir pour toi? He saved you. He saved you. Il t'a sauvé. Now he waits for you for a deeper knowledge of him. Maintenant, il t'attend pour une connaissance profonde de lui. To make you strong. Pour te rendre fort. Yeah, speak to God. Alors parle à Dieu. I want to do exploits for you and with you. Je veux accomplir des exploits pour toi et avec toi. I need your strength. J'ai besoin de ta force. I wait upon you, Lord. Je m'attends à toi, Seigneur. I wait upon you, Lord. Je t'attends à toi, Seigneur. For strength. Pour la force. Make me strong in your word. Rends-moi fort dans ta parole. Make me strong in my spirit. Rends-moi fort dans ton dans mon esprit. Are you praying? Est-ce que tu pries? Are you praying? Est-ce que j'étais en train de prier? I want to hear your voice. J'aimerais entendre ta voix. As you pray. Comme tu pries. Oh, Seigneur, rends-moi fort. Rends-moi fort dans mon esprit, Seigneur. Raise your voice and pray. Lève ta voix et prie. You will not do exploit by your own means. It's by the grace and strength from the Lord. C'est par la grâce et la force de Dieu. And that power from above is ready. Que la puissance de Dieu est disponible. And is available for you this morning. Et c'est disponible pour toi ce matin. To do exploit. Pour accomplir des exploits. As you apply your life to seeking God in a deeper way, comme tu cherches à connaître Dieu dans une that strength from above will be made available and make you strong. Cette force venant d'en haut sera disponibilisée. Thank you, Father, for your word this morning. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ta parole ce matin. Thank you, Father, for blessing this word in our heart. Merci, Seigneur, de bénir cette parole dans nos cœurs. Thank you, Father, because you revealed yourself. Merci Éternel parce que tu as révélé through various experiences with your people in the past, au travers des expériences dans ton peuple, la vie de ton peuple dans le passé. We want to also have our own experiences today with you. Nous voulons aussi avoir nos propres expériences aujourd'hui avec toi. To be able to challenge today's word. Pour être capable de
défier le monde d'aujourd'hui, which is inclined to pull us backward and far away from you. Ce qui a tendance à nous faire reculer en arrière et but nous éloigner de toi. But we declare that in Jesus' name we will stand. Mais nous allons déclarer qu'au nom de Jésus-Christ nous tiendrons. Because our faith is based on your word. Parce que notre foi est basée sur ta parole. Which is the solid foundation. Qui est la fondation solide. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.